Alors, les enjeux pour ce concours de la ville la plus sportive sont nombreux. Tout d'abord, c'est l'occasion de montrer que le comité régional olympique et sportif des Pays de la Loire a un rôle à jouer dans la communication, le développement de la pratique du sport pour tous les citoyens. Donc on établit une relation avec les villes qui sont déjà engagées dans une politique et qui aujourd'hui veulent à un moment donné faire un point d'étape. C'est l'occasion lors du jury qui va visiter les villes justement de faire ce bilan et puis de voir un petit peu comment ça se passe avec leurs associations et comment développer la pratique du sport. Sport qui est aujourd'hui quand même une composante très importante dans l'équipe d'une ville, d'une société. Et puis n'oublions pas quand même qu'on on vient d'avoir les Jeux Olympiques et donc c'est une année particulière avec un engagement nouveau. Fort. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un concours qui est vraiment porteur et qui permet à chacun d'exprimer les valeurs et la politique que chaque ville engage. Et nous, on est vraiment là pour favoriser la communication autour de cette volonté politique affichée et qui doit s'amplifier, bien évidemment, au quotidien. Clairement, oui, il y a un engouement de plus en plus fort, y compris en nombre, puisque cette année, on a atteint le nombre de 35 participants, mais aussi en qualité, parce qu'on s'aperçoit que d'anciens candidats repostulent et on regarde les dossiers d'une année, enfin d'une édition à une autre, et on voit un développement très fort. Il y a vraiment une volonté de travailler sur cet axe-là. Nous, on met encore l'accent sur cette volonté politique et de s'inscrire dans cette dynamique-là. Pas simplement rajouter que ces candidatures doivent être un exemple pour tous les autres. Et qu'il va y avoir une nouvelle édition avec des nouveaux dispositifs qui doivent permettre à chacun de s'engager dans cette démarche de citoyenneté et de la valorisation de l'engagement associatif dans chacune de leurs villes. Donc je suis très optimiste pour les prochaines éditions.